Dans Time Tonic, vous avez la possibilité de partager des formulaires pré-remplis. C'est ce qu'on appelle les formulaires externes. Pour ce faire, commencez par créer une vue. On va venir appliquer les restrictions que l'on souhaite sur les différentes colonnes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer un URL de partage auquel je vais appliquer les restrictions de ma vue. Je peux maintenant venir appliquer les restrictions à mon formulaire, les restrictions d'une vue. Dès lors, je peux partager ce formulaire avec n'importe lequel de mes clients. Lors du traitement de mon opération, il peut m'être nécessaire d'obtenir des informations complémentaires. Pour ce faire, je vais ajouter des champs en lecture-écriture qui seront donc accessibles à toute personne disposant du lien de mon formulaire. Si je reviens au niveau du partage de mon lien et que je clique dessus pour l'ouvrir, je constate que mon champ est effectivement accessible. Je peux donc le cocher, sauvegarder, et quand je reviens sur Time Tonic, je peux effectivement constater que la modification a été appliquée.